Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. C'est une joie de nous retrouver tous ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu et pour nous connecter à sa pensée aujourd'hui. Nous voulons maintenant prier et recommander à la grâce de Dieu ce temps. Seigneur, merci encore pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons encore nous connecter à ta parole. Seigneur, toi qui désires que nous puissions être transformés de jour en jour, de gloire en gloire, de saison en saison, que nous puissions être transformés pleinement à ton image et à ta ressemblance. Alors nous te demandons vraiment de nous guider, nous te demandons vraiment de nous inspirer, nous te demandons de faire la différence, nous te demandons aujourd'hui de nous toucher encore. Alors fais-nous grâce, Seigneur, conduis-nous, inspire-nous, guide-nous, et je t'en prie. Seigneur, nous préparons des choses, mais tu as une parole, une pensée, que tu veux transmettre, Seigneur, à nos frères et sœurs. Aujourd'hui, Seigneur, je m'en recommande encore à ta grâce. Je demande simplement d'être ce canal, Seigneur, entre tes mains, pour nous faire du bien, pour faire du bien à moi-même, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans ta volonté parfaite. Alors, Seigneur, nous te recommandons ce temps, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen, Amen. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Donc, nous sommes toujours dans cette thématique du parler en langue, de la prière par l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons aborder, après avoir abordé sept bénéfices sur la prière, sept bénéfices qu'apporte le parler en langue dans la prière, nous voulons aborder maintenant huit bénéfices du parler en langue pour la transformation intérieure. Huit bénéfices du parler en langue pour la transformation intérieure. Donc, c'est un thème qu'en ce moment, le Seigneur m'aimait beaucoup à cœur, la transformation intérieure. Pourquoi cette importance de la transformation intérieure? J'ai vu des personnes voir des opportunités venir à eux, les choses changer, venir à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une transformation intérieure. Et l'apôtre Ivan, dans son livre « Ça suffit, il faut que ça change », nous parle qu'il y a deux lois, principes spirituels, qu'il faut comprendre et saisir. Et il explique que les lois, bien aimées, sont immuables. De la même manière qu'il y a la loi de l'attraction. Aussi aujourd'hui, nous arrivons à avoir les pieds sur le sol, c'est parce qu'il y a la loi de l'attraction. C'est une loi naturelle que Dieu a établie afin que nous puissions marcher, vivre sur terre. De la même manière, Dieu a établi des lois spirituelles afin que nous puissions opérer, afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions vivre. Rappelle-toi, l'homme est avant tout, un être spirituel. Et nous devons comprendre les lois spirituelles afin que nous puissions vivre heureux sur la terre. Et il y a deux lois spirituelles qui sont importantes de comprendre et de saisir. Le monde s'en est approprié, mais on doit comprendre que ces lois viennent du royaume. Donc la première loi spirituelle, c'est la loi de l'attraction. L'apôtre Ivan en parle dans son livre, ça suffit, il faut que ça change. La loi de l'attraction, c'est-à-dire, bien aimé, tu attires à toi les choses en fonction de tes pensées dominantes, en fonction de tes paroles de ton intérieur. Je vais le dire autrement, permettez-moi. Donc la loi d'attraction stipule que nos pensées dominantes, nos émotions et nos sentiments jouent un rôle majeur dans les circonstances et dans les personnes que nous attirons dans notre vie. Donc les pensées, les émotions et les sentiments dominants vont jouer un rôle par rapport aux circonstances que nous allons vivre et les personnes que nous allons attirer. Et je l'ai vu, bien aimé, plusieurs personnes ont fait la formation Gédéon, des personnes qui avaient un problème d'estime de soi. Dès qu'ils ont compris qu'ils ont de la valeur et qu'ils ont repris confiance en eux, des nouvelles opportunités leur ont été accordées. Est-ce que c'est le hasard ou pas? Non, je ne le crois pas. Je crois que la transformation intérieure a fait qu'ils ont su attirer de nouvelles opportunités ou ils ont ouvert leurs yeux sur de nouvelles opportunités. Je prie que dans ces deux mois qui restent, novembre et décembre, que ce soit deux mois d'opportunités pour toi dans le nom puissant de Jésus. Donc on voit ici que la qualité de ce que je suis, la qualité de la personne que je suis à l'intérieur de moi, je vais attirer les bonnes choses vers ma vie. Une autre loi qui est importante, c'est la loi des correspondances. La loi des correspondances stipule simplement que votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. L'apôtre Ivan l'appelle pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors.
Jésus le disait simplement dans ces choses, bien-aimés, c'est que c'est de l'abondance que la bouche parle. C'est-à-dire que tout vient d'abord de l'intérieur. Donc si je désire avoir une nouvelle vie, si je désire vivre de nouvelles choses, je dois d'abord commencer par l'intérieur, pas par l'extérieur. D'abord l'intérieur. Pourquoi? Parce que même si mes circonstances extérieures vont changer, par exemple, on te donne 1 million d'euros, on te donne une grosse opportunité, mais si l'intérieur n'est pas changé, par exemple, quelqu'un qui reçoit 1 million d'euros, mais s'il n'a pas acquis la mentalité de gestion de richesse, la mentalité d'un riche, un riche n'est pas celui qui a de l'argent, un riche est celui qui a une mentalité qui attire ou qui sait gérer correctement l'argent. Donc, si la personne reçoit 1 million d'euros, mais qu'à l'intérieur, il y a une mentalité de pauvreté, c'est dès que je reçois de l'argent, par exemple, j'ai tendance à dépenser. Donc, ça, c'est une mentalité de pauvreté au lieu de faire de l'épargne ou de l'investissement. Donc, la loi des correspondances stipule que même si les circonstances ont changé, même si on me donne 1 million d'euros, je vais, au fur et à mesure, à cause de mon intérieur, mon extérieur va se conformer à mon intérieur. Si j'ai une mentalité de pauvreté, bien que j'ai 1 million, qu'est-ce qui va se passer? Toute la fortune va être dilapidée. Et on le voit, il y a eu plusieurs personnes qui ont gagné au loto. Et des fois, ils se sont retrouvés endettés d'au moins la somme qu'ils ont gagnée au loto. Imagine-toi, tu gagnes 3 millions d'euros et au bout de quelques années, tu es endetté de 3 millions d'euros. Pourquoi? Le monde intérieur n'a pas été changé, bien que l'extérieur, pour un temps, a été changé. Amen. Donc on comprend, bien-aimé, par ces deux exemples, qu'il faut la transformation intérieure. J'ai besoin d'être transformé à l'intérieur de moi pour que ma vie puisse se manifester, puisse prendre un nouvel élan, et je puisse voir les œuvres de Dieu se manifester dans ma vie. Jésus le disait autrement, il disait aussi que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Non, non, le royaume de Dieu commence d'abord à l'intérieur de nous. Donc quand il dit que le royaume de Dieu est à portée de main, il est où? À l'intérieur de moi, par la personne du Saint-Esprit. Donc on voit par là qu'il faut vraiment aspirer à la transformation intérieure. J'ai besoin d'être transformé à l'intérieur afin que l'extérieur change, afin que mes circonstances changent, afin que je puisse attirer les bonnes personnes, afin que je puisse attirer les bonnes opportunités, et afin que lorsque la bonne personne, les bonnes opportunités, les bonnes relations viennent, je puisse les garder parce que j'aurai une bonne mentalité maintenant. Amen. Est-ce qu'on a compris l'importance de la transformation intérieure? La transformation intérieure est extrêmement importante. Et la transformation intérieure, bien-aimé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait, l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous avec notre collaboration. Et on va voir aujourd'hui 8 bénéfices que apportera la prière par l'Esprit ou le parler en langue pour la transformation intérieure. La première chose que fait le Saint-Esprit, que lorsque nous prions en langue ou lorsque nous parlons en langue, 1 Corinthiens 14, verset 2, on a abordé plusieurs fois ce point, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et on peut prendre aussi le verset 14 de 1 Corinthiens 14, où il nous dit que celui qui parle en esprit s'édifie lui-même. Celui qui parle, non, pardon, verset 4 de 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît, verset 4 de 1 Corinthiens 14, la suite. Il dit que celui qui parle par l'esprit s'édifie lui-même. Alléluia, s'édifie lui-même. Et ce qu'on veut insister ici, c'est que le parler en langue, pour plusieurs, nous connaissons ce bénéfice, qui dit s'édifier lui-même. Et en grec, littéralement, ça veut dire se construire depuis la base, se construire depuis les fondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'être en Christ, bien-aimé, nous avons reçu des bases, nous avons reçu des fondations qui sont l'éducation que nous avons eue par la grâce de Dieu. Et heureusement, nos parents, pour la plupart, ont fait un excellent travail, ont posé des fondations qui nous ont donné des valeurs familiales, des valeurs de respect, des valeurs de travail, etc. Mais dans d'autres sociétés ou dans d'autres familles, ces valeurs-là n'ont pas été construites. Par exemple, au lieu d'avoir des valeurs de respect, d'intégrité, dont on a pris des valeurs par rapport à la tricherie, au mensonge, etc. Donc on voit que la fondation qui a été posée n'a pas été bonne. Mais lorsque je prie par l'Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit vient pour
enlever les mauvaises fondations et pour reposer de toutes nouvelles fondations dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi il est possible, bien-aimé, qu'une personne qui est connue des habitudes qui étaient mauvaises, qui est connue un système de pensée qui était mauvais, mais parce que la personne prise par l'esprit, elle voit au fur et à mesure, à l'intérieur d'elle, une transformation intérieure qui se fait. Donc on peut passer de quelqu'un qui était un impudique, c'est-à-dire qui menait sa vie n'importe comment, couchant avec n'importe qui, quelqu'un qui maintenant aspire, désire pleinement à la sainteté. Alléluia. Et qui marche dans la sainteté. La Bible nous montre un nombre de cela au travers de Rahab. Rahab, c'est dans le livre de Josué, où on voit Rahab est dans une maison de prostituée, mais Rahab décide d'aider le peuple de Dieu. Et après la bataille de Jéricho, intègre le peuple de Dieu. Et plus tard dans l'histoire de Rahab, on comprend que dans sa lignée, il y a un homme qui s'appelle Boaz. Boaz est un homme intègre. Et donc on voit que d'une personne prostituée peut sortir un homme intègre. Et Rahab fait partie aussi de la lignée de Christ. Amen. Donc on voit que ça, c'est l'ombre d'une transformation intérieure qui s'est faite en Rahab. Parce que dans sa famille, c'était une famille de prostituées. Donc c'est-à-dire de génération en génération, ils étaient habitués à ça. Mais Dieu l'a transformé. De la même manière, lorsque tu pries par l'Esprit, Dieu rebâtit de toutes nouvelles fondations dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que toute mauvaise fondation qui avait été posée et qui doit être déracinée, Dieu, par l'Esprit, le Saint-Esprit, par la prière par l'Esprit, détruit ces fondations et rebâtit de toutes nouvelles fondations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce midi? Dieu rebâtit en toi les toutes nouvelles fondation. Ça, c'est s'édifier lui-même. Mais une autre définition de s'édifier lui-même en grec, c'est remettre en état ou remettre à nouveau. Mais pourquoi Dieu doit remettre en état, Dieu doit remettre à nouveau? Je t'explique. Avant que tu sois sur terre, tu étais. Avant que tu sois manifesté sur la terre, tu étais dans la pensée de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a mis des pensées, il a mis en nous, on le verra tout à l'heure, il a mis en nous une destinée. Mais pour cela, il faut que nous puissions revenir à lui. Et vous savez, dans la parole de Dieu, vous allez beaucoup retrouver la notion de renouveler, revenir. Pourquoi? Parce que l'homme était éloigné de Dieu. Donc quand on dit revenir ou remettre en état, c'est-à-dire que tu viens maintenant pour revenir à l'état que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Dieu n'avait pas prévu que tu sois une personne colérique. Ce n'est pas l'atmosphère que Dieu veut pour ta vie. Dieu n'avait pas prévu que tu sois une personne triste. Ce n'est pas dans cette atmosphère-là que Dieu veut que tu vives. Non, Dieu veut que tu redemeures dans cette atmosphère où tu baignes dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et que tu sois pleinement à l'image de Dieu. Donc, lorsque je prie en langue, je suis en train de m'édifier, je suis en train de remettre ma vie en état. Je suis en Dieu, je suis en train d'être réparé afin que je puisse devenir cette personne remplie de joie, remplie d'amour, remplie de paix, remplie de maîtrise de soi, remplie de bonté, remplie de faveur, remplie de grâce. Bien-aimé, c'est le projet de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus. Alors, si tu es une personne colérique et que tu en as marre d'être une personne colérique, oh, aspire, soupire véritablement au Saint-Esprit afin qu'il te transforme et qu'il fasse son œuvre transformatrice en toi. Et c'est pour ça que l'apôtre Ivan insiste beaucoup, c'est l'intense sur la soif. Parce que le changement, la transformation va être provoquée par l'action du Saint-Esprit au travers du parler en langue. Mais le moteur, c'est la soif. Seigneur, j'ai soif de transformation. Seigneur, j'ai soif de devenir ce que toi tu veux que je devienne. J'ai soif à que ma vie puisse prendre un tout nouvel élan. Donc, Saint-Esprit provoque ce changement en moi, provoque cette transformation en moi. Seigneur, j'ai soif de cela, je désire cela. Et bien-aimé, tu commences à élever la voix par l'Esprit. Et au fur et à mesure, Dieu te reconstruit depuis la base, Dieu te reconstruit depuis la fondation. Dieu te répare, Dieu te remet en état, Dieu fait en sorte que tu redeviennes la personne qu'il avait prévue
avant la fondation du monde. Alléluia. On parle ici de autofixation. Autofixation. L'apôtre Ivan donne cette image que de la même manière que lorsque tu vas réparer ta voiture, lorsque tu as une voiture, tu dois faire de l'entretien. L'entretien, ça veut dire que à intervalles réguliers, tu vas changer d'huile, tu vas faire les révisions, etc. Et par la prière, par l'esprit, bien aimé, c'est cette auto-fixation que Dieu produit en nous. C'est-à-dire que des fois, notre cœur peut s'éloigner. Jérémie disait que le cœur est tortueux. Et on voit que notre cœur, parfois, peut s'éloigner de Dieu. Mais lorsque je reviens auprès du Seigneur, je suis en train de prier en langue, je suis en train de m'attendre à lui, je suis en train de soupirer pour lui, et il me refixe de l'intérieur. Bien-aimés, soyons honnêtes. Il y a toujours des signes précurseurs ou des signes annonciateurs d'une fatigue spirituelle ou d'un assèchement spirituel. Comment je le sais? Je sens que j'aime moins la présence de Dieu. Je sens que j'ai perdu certaines habitudes. Je sens qu'à l'intérieur de moi, j'apprécie un peu moins la présence. Je recherche un peu moins la présence. Alors, bien-aimés, dans ces moments-là, va auprès du Seigneur. Commence à prier en langue, mets les 2 heures d'adoration avec l'apôtre Ivan, commence à prier et tu vas voir que le Saint-Esprit va refixer les choses, va rétablir les choses, va réparer les choses et la soif que tu avais perdue va revenir, le désir que tu avais de lui va revenir et les bonnes habitudes vont revenir dans le nom de Jésus car Dieu produit la transformation intérieure par la personne du Saint-Esprit lorsque nous prions en langue. Alléluia. Donc note ceci, prier en langue est la meilleure manière de construire ou de réparer ou de reconstruire l'homme intérieur. Je répète, prier en langue est la meilleure manière de construire ou de réparer ou de reconstruire l'homme intérieur. Je redis encore, il faut que tu le retiennes. Prier en langue est la meilleure manière de construire ou de réparer et de reconstruire l'homme intérieur. Je prie ce midi que quelqu'un soit reconstruit de l'intérieur et que la personne que tu dois être, elle puisse être pleinement manifestée. Je ressens une sœur, je pense à une sœur ce midi, tu as vraiment le désir, tu en as assez d'être cette femme querelleuse, cette femme abattue. Alors que tu vas prier en langue, le Seigneur va opérer une transformation en toi dans le nom de Jésus. Je te vois habillée de blanc. Je te vois paraître maintenant comme une toute nouvelle personne au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen s'il reçoit quelque chose ce midi. Est-ce que nous recevons quelque chose ce midi par la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Donc nous avons vu le premier bénéfice, c'est que la prière par l'Esprit nous permet d'être reconstruits, d'être réparés et d'être construits, réparés ou reconstruits. Deuxième bénéfice, toujours de la transformation intérieure, le prier par l'esprit ou prier en langue, c'est annoncer des choses cachées sur ta propre vie. C'est annoncer des choses cachées sur ta propre vie. Tout à l'heure, on l'a lu au verset 2 de 1 Corinthiens 14. Celui qui prie en langue, il dit des mystères. Mystère, ça veut dire en grec mysterion, qui veut dire des choses cachées. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Et puis, il faut que, par la prière, par l'esprit, les choses cachées qui sont en toi puissent maintenant être pleinement révélées. Les choses cachées, ça veut dire que Dieu les a enfouies en toi et tu dois, par la prière, par l'esprit, permettre que cela puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus. Et comment, bien-aimé, parce que quand ces choses cachées sont révélées, enfin, je deviens moi. On l'a dit, Jacob, il se sentait pas bien. Jacob comprenait que non, sa vie ne devait pas être toujours de la tromperie. Mais alors qu'il a prié Dieu à Péniel, alors qu'il a cherché Dieu à Péniel, Dieu lui a révélé, ton nom ne sera plus jamais Jacob, mais maintenant tu seras appelé Israël. Il y a des choses cachées qui sont en toi, mon frère. Il y a des choses cachées qui sont en moi. Il y a des choses cachées qui sont chacun d'entre nous. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, que quand tu vas prier par l'Esprit, Dieu va bâtir en toi un tout nouvel homme et des choses cachées vont apparaître. Des nouvelles grâces, des nouvelles possibilités vont apparaître. Et
tu vas sentir que, au fond de toi, c'est comme si quelque chose s'est produit, mais lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, lorsque tu vas être face à un problème, tu vas dire, waouh, je sens qu'une nouvelle sagesse a apparu. Je sens qu'une nouvelle grâce a apparu. Je sens qu'une nouvelle manière de parler a apparu. Une nouvelle façon de voir les choses a apparu. Ce sont les choses cachées qui commencent à être révélées. Donc, bien aimé, continue à prier par l'Esprit. Continue à prier en langue. Continue à intercéder parce que tu te rebâtis, tu te répares, tu te construis. Et au fur et à mesure, les choses cachées vont se manifester. Alléluia. Amen. Troisième bénéfice. Donc, pendant que je parle, vous pouvez envoyer vos questions dans le chat et nous allons répondre à ces questions. Troisième bénéfice qui est lié au deuxième. Prier par l'Esprit te fait extraire de ton esprit les informations que le Saint-Esprit a déposées à l'intérieur de ton esprit. Je répète, prier par l'Esprit ou parler en langue te fait extraire de ton esprit les informations que le Saint-Esprit a déposées à l'intérieur de ton esprit. Nous sommes, bien aimés, un esprit qui habite un corps et qui possède une âme dans notre esprit qui est connecté avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient déposer les informations que Dieu a établies avant la fondation du monde. C'est ça les choses cachées. Et donc, là, la précision, c'est qu'on dit qu'il y a des informations dont tu as besoin, que tu as besoin de recevoir. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12 nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, le Saint-Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il nous dit ici que Dieu tient en réserve des choses pour moi. Donc, ce sont les choses cachées. Et là, la précision, c'est que la prière en langue vient pour révéler ces informations. Les informations sur quoi? Sur qui je suis, tout à l'heure, on l'a dit, Jacob a compris qu'il était Israël. Mes informations aussi, bien aimées, sur mes capacités, alléluia, sur les capacités que Dieu a établies pour moi. Les informations, bien aimées, sur la vision pour ma propre vie. Quand tu pries en langue, Dieu va te révéler certaines visions. Dieu va te révéler certaines visions. Alléluia, amen. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont stockées à l'intérieur de moi et je dois les capter par l'esprit. Et comprends toujours, bien aimé, que c'est la notion de apprendre à être avant de faire. Être avant de faire. Je ne suis pas, je ne fais pas le pasteur. Je suis pasteur. C'est mon être. Pasteur, ça veut dire simplement prendre soin des brebis. C'est ça mon être. Et ma fonction, c'est pasteur. Et comprenez bien une chose, c'est que il y a des informations qui sont à l'intérieur de toi, qui doivent être extraites, qui doivent être révélées. Il dit que c'est ce que l'œil n'a point vu. Mais moi, j'ai vu un avenir radieux pour mon frère. J'ai vu un avenir radieux pour ma vie. J'ai vu un avenir radieux pour ma famille. J'ai vu un avenir radieux pour mes enfants. J'ai besoin que ces informations soient extraites de ma vie. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que on ne vit pas par rapport à ce que nous voyons. Mais nous regardons aux choses invisibles. C'est ça les choses invisibles, bien-aimé. Les choses invisibles, c'est les informations que Dieu a établies en toi et en moi. Il y a les informations dont tu as besoin pour ton foyer. Les informations que tu as besoin pour ton travail. Il y a les informations que tu as besoin. Et bien aimé, obtenir ces informations produit en moi la transformation intérieure. Parce que jusqu'à présent, l'extérieur n'a pas changé. Mais je sais que j'ai un futur à l'intérieur de moi. Et quand Dieu me le révèle, il me transforme, il me change, il me change. Et bientôt, bien aimé, vous allez voir paraître un nouvel homme. Bientôt, vous allez voir paraître des nouvelles œuvres. Bientôt, vous allez voir paraître du bon fruit sortir de ma vie. Je le proclame dans le nom de Jésus. Que Dieu te révèle ces informations cachées au plus profond de toi. Et que dans le nom de Jésus, que nous puissions goûter le fruit de ta vie. Et que nous puissions apprécier le fruit de ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des informations qui sont cachées à l'intérieur de moi. Quatrième bénéfice, parler en langue vous amène dans les profondeurs de votre cœur. Oh là 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 là! Parler en langue vous amène dans les profondeurs de votre cœur. La Bible nous dit ceci, Matthieu 12, verset 35. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, qui est le cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Luc 6, verset 46.
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 35 et Luc 6, verset 45. Jésus me dit que dans le cœur, il peut avoir un bon trésor ou un mauvais trésor. Bien aimé, les bons trésors, les mauvais trésors, ce sont les pensées qu'on a à l'intérieur de nous. Des fois, tu ne le sais pas, tu n'as pas conscience de l'état de ton cœur. Des fois, tu n'as même pas conscience que si tu étais comme ça, c'est parce qu'il y a une amertume ou quelque chose qui t'a blessé. Des fois, tu n'as pas conscience pleinement que le problème, c'est telle ou telle chose. Des fois, tu n'as pas conscience, c'est à cause de ces pensées que tu as. Parfois, tu te dis, oh, je suis pas bien dans cette église, je me sens pas bien. Mais le problème, c'est pas l'église. Le problème, c'est pas l'église. C'est qu'il y a une amertume dans le cœur qui n'a pas été extraite. Il y a des mauvaises graines qui n'ont pas été extraites. C'est ça qu'on appelle le mauvais trésor. Le mauvais trésor, c'est des fois le secret qu'on garde. On n'ose pas le dire. C'est à l'intérieur de soi et ça gangrène, comme un cancer. Bien-aimé, quand tu pries par l'Esprit, le Saint-Esprit va dans les profondeurs de ton cœur. Il va opérer une chirurgie pour enlever ce cancer d'amertume, pour le détruire, pour l'anéantir, pour l'enlever, pour l'extirper, pour le faire en sorte qu'il n'existe plus. Il faut faire en sorte que les choses que tu n'avais pas consciente, mais des choses qui avaient été enfouies. Parce que des fois, bien-aimé, l'Esprit fait un déni ou occulte certaines choses. Mais quand tu pries par l'Esprit, c'est à cause de cette blessure dès l'enfance. Le Saint-Esprit vient opérer une transformation en toi et te change dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous prions ce matin, alors que nous sommes connectés aujourd'hui, je prie que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse en profondeur à l'intérieur de toi. Je prie que l'Esprit de Dieu, qui est le chirurgien par excellence, vienne enlever de toi tout cancer d'amertume, tout cancer lié aux abus d'hier, tout cancer lié à ces choses qui t'ont fait mal, mais que tu as enfui. Donc tu as même oublié, mais ce midi, que Dieu aille dans les profondeurs de ton cœur et que Dieu répare ton cœur. Comme il t'écrit Ésaïe 61, Dieu nous a oint, Dieu a établi son onction sur nous afin que nous puissions proclamer une bonne nouvelle aux pauvres et que nous puissions guérir les cœurs brisés. Ce midi, que les cœurs brisés soient restaurés, que les cœurs brisés soient réparés, que les cœurs brisés soient reconstruits dans le nom puissant de Jésus. Dieu va dans les profondeurs de ton cœur. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu va dans les profondeurs de notre cœur. Et lié encore vers bénéfice numéro 5, le parler en langue, le Saint-Esprit, non seulement me sonde, mais transforme mon cœur. Ézéchiel 36, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je remplacerai le cœur de pierre par un cœur de chair. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Non seulement ils sont des profondeurs de mon cœur, mais ils le transforment, ils le changent, ils le transforment. Donc le bénéfice 4, le Saint-Esprit vous amène dans les profondeurs de votre cœur. Il révèle. Bénéfice 5, le Saint-Esprit non seulement sonde, mais il transforme. Oh bien-aimé, bien-aimé, que Dieu te transforme ce midi, que Dieu te change ce midi. Et tu vas voir, il y a une dimension avec Dieu. Oh, tu dis, ah, je suis enfin moi. Je suis enfin moi. I can feel it in my mind. Je peux le sentir dans mon esprit. I can feel it in my body. Je peux le sentir dans mon corps. I can feel it in my spirit. Je peux le sentir dans mon esprit. Je suis enfin moi. I am me. Yes. Que Dieu produise cette œuvre en toi dans le nom de Jésus. Que Dieu produise cette œuvre en toi. Que Dieu le fasse. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors, sixième bénéfice pour la transformation intérieure. Le parler en langue m'aide à surmonter mes faiblesses. Ah, bien-aimé, nous avons des faiblesses. Nous avons des faiblesses intérieures. Mais le Saint-Esprit vient pour nous fortifier. L'apôtre Paul pouvait dire ceci en 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10.
Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc pour lui volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit ici que nous pouvons avoir des faiblesses. Mais lorsque je prie en langue, Dieu me fortifie. Dieu me rend fort. Les persécutions me font mal. Les détresses me font mal. Les outrages me font mal. Les calamités, c'est-à-dire que quand les gens viennent tous contre moi, fausses accusations me font mal. Mais c'est quand je suis faible, alors je suis fort. Pourquoi? Parce que je prie par l'Esprit et je compte sur la grâce de Dieu pour me porter et pour m'amener plus loin. Et alors, de l'intérieur, je sens une force. In my spirit, in my body, I can feel a fire. Je peux sentir un feu en moi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a ce feu qui demeure en moi. Alléluia. Sixième bénéfice. Le parler en langue m'aide à surmonter mes faiblesses. Septième bénéfice. Parler en langue vous donne aussi un rafraîchissement spirituel et de repos intérieur. Alléluia. Acte 3, verset 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est l'apôtre Pierre qui disait aux personnes de se convertir, afin que des temps de rafraîchissement puissent venir. Bien-aimé, tu as besoin d'être rafraîchi. Parce que parfois notre vie est asséchée par les difficultés. Notre vie est asséchée par ce qu'on vit. Mais lorsque nous prions en langue, le temps de rafraîchissement vient. Il rafraîchit les os. Il rafraîchit le corps. Il rafraîchit l'âme. Oh, bien-aimé, je prie que ce matin, que tu sois rafraîchi dans le nom de Jésus. Rafraîchi, ça veut dire redonner de la vigueur. C'est comme si des fois tu es assoiffé, tu n'en peux plus, c'est comme si ton corps est complètement déshydraté. Mais lorsque tu viens à la source d'eau, tu bois. Je prie pour le repos pour toi. Je prie pour le rafraîchissement pour toi, dans le nom de Jésus. Et terminé, huitième bénéfice de la transformation intérieure. Parler en langue est une porte d'expression et d'audace. C'est-à-dire, bien-aimé, parler en langue, c'est la porte, bien-aimé, pour rentrer dans l'audace divine. Rappelle-toi ce qu'a dit l'apôtre Ivan Castanou. Il dit, un des signes que tu as reçu le Saint-Esprit n'est pas le fait de tomber, mais qu'une audace va se manifester. Et quand tu pries en langue, bien-aimé, le Saint-Esprit opère en toi une transformation où tu deviens un audacieux. On le voit en acte 4, donc à partir du verset 31, mais tu liras un peu avant, il y avait une persécution et l'église s'est réunie pour prier pour que Dieu puisse étendre sa main sur les apôtres. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils priaient tous dans le même lieu, verset 31 de acte 4, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et on suppose qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prié en langue. Ils ont parlé en langue. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y avait une persécution, mais dès qu'ils ont commencé à prier tous ensemble, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc on suppose qu'ils ont parlé en langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, ils sont tous sortis pour annoncer l'évangile avec assurance, avec audace. Ça veut dire, bien-aimé, la peur a changé de camp. Ça veut dire qu'ils pouvaient être affaiblis en eux, ils pouvaient être la tête baissée, mais parce que le Saint-Esprit, par l'œuvre du parler en langue, est venu, alors ils ont été fortifiés, ils ont été remplis d'assurance, la timidité n'a plus été leur partage, non. C'est un esprit de puissance, c'est un esprit d'audace, c'est un esprit d'amour qui leur a été communiqué et ils ont été capables d'aller annoncer l'évangile. Alors ce midi, je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Là où tu étais faible, maintenant tu es fort. Là où tu manquais d'audace, que l'assurance vienne. Là où on t'avait dit, tu ne passes pas et ça avait créé en toi une forme de retrait, une forme de dire non, je ne vais pas aller. Que la puissance de Dieu vienne sur toi et que tu oses proclamer que c'est pour moi et que tu prennes possession de ton héritage,
dans le nom de Jésus. Alors je prie pour ta transformation intérieure ce midi. Je prie que tout à l'intérieur de toi soit complètement révolutionné, chamboulé dans le nom de Jésus. Je détruis toute mauvaise fondation. Je détruis toute mauvaise base et que le Seigneur reconstruise une toute nouvelle base qui vient de sa parole, qui te révèle qui tu es, qui te révèle que tu es aimé, qui te révèle qui et quel est ton véritable prénom, quelle est ta véritable trajectoire dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, tu l'opères aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, cette transformation intérieure commence toujours par la venue d'une personne, la personne du Saint-Esprit. Et ça commence par le salut. Et oui, bien aimé, il faut ouvrir ton cœur afin que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en toi. Alors toi qui ne connais pas Jésus, qui est connecté à ce temps ou qui le suit en rediffusion, je voudrais que tu puisses faire une prière avec moi. Toi qui en as assez de ta vie, toi qui es frustré de ta vie, toi qui es dans le... Tu en as assez, tu veux connaître ce Dieu. Oui, bien-aimé, il désire aussi se faire connaître à toi. Il suffit pour ça de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Viens en moi, habite en moi, et transforme-moi au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière, elle n'a l'air de rien, mais elle transforme votre vie, elle transforme votre intérieur. Et je vais prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci vraiment pour cette œuvre de transformation que tu produis dans mon frère et dans ma sœur qui s'est tournée vers toi. Tu les transformes, Seigneur, à ton image, parce que tu dis que toute personne, Seigneur, qui vient à toi, tu les acceptes. Et tu dis que à celui qui ont reçu la parole, à ceux qui ont accepté la parole, tu as donné le pouvoir, la possibilité, la puissance de devenir enfant de Dieu. Alors à l'instant même, Seigneur, la parole qu'ils ont acceptée a provoqué une transformation intérieure en eux. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et nous te les recommandons à ta grâce. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour la grâce qui nous a accompagnés. Merci pour l'autorité, Seigneur, avec laquelle tu as proclamé, annoncé cette parole. Et Seigneur, nous te prions que cela reste inscrit dans nos cœurs et que nous puissions être transformés pour ta seule et unique grâce. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Oh, moi, je ne sais pas pour toi, mais je me sens transformé à l'intérieur. Oh, merci Jésus. Je sens que je vais de gloire en gloire avec le Saint-Esprit. Je sens que, oh Seigneur, merci pour la transformation. Merci Seigneur. Bien-aimé, rappelle-toi, ça transforme. Dieu te transforme d'abord à l'intérieur et l'extérieur sera changé dans le nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, c'est le message que nous aborderons pour cette fin d'année, la transformation intérieure. Dieu va te transformer complètement à l'image de Christ dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ce soit ton partage, je prie que ce soit mon partage, je prie que ce soit le partage de l'Église et qu'ensemble, nous puissions faire des exploits.